Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ocarina of Time. J'ai envie de me pendre par les burnes. Parce que dans l'épisode d'avant, on avait fait n'importe quoi. Ah, moi surtout, hein, vous y étiez pour rien, hein, vous inquiétez pas. En fait, je sais maintenant ce qu'il faut faire. Parce que oui, j'ai été voir une soluce. Ça fait pitié. Je fais grave pitié. Non mais carrément, hein, je peux le dire. Je suis un tas de merde, vraiment. Mais le sac à caca, quoi. Donc, on se retrouve dans cette salle. Regardez, vous vous souvenez de cette salle où j'avais pété les machins, là? En fait, faut pas les péter. Putain, et je te jure, mais... En fait, regardez bien. C'est vraiment de la merde. En fait, fallait taper un geki pour l'attirer vers nous et pour qu'il ouvre la porte en marchant sur le bordel. Et voilà, et on peut passer. Je me déprime. Non mais franchement, je me déprime, quoi. Et là, on était à la fin du temple, quasiment. Ça fait pitié. Donc j'ai que 57 minutes, donc on va faire une vidéo de 50 minutes pour ce truc-là, 53 par là. J'ai que 57 minutes de batterie dans le... Enfin, de batterie. De place dans le caméscope, parce que comme là, c'est la première fois que je fais 3 épisodes d'affilée. Et donc c'est parti, let's go. Donc lui, voilà, on va faire la même. Alors, on va faire exactement la même. Voilà, là je vous jure, j'en ai plein le fion, je suis extrêmement motivé là. Je vais vraiment tout défoncer là, vas-y. Vas-y, bouffe-toi tout ça dans la gueule, bâtard. Ah, c'est bon, on l'a eu, allez. C'est fini, on n'en parle plus. On récupère. Est-ce que je peux récupérer les cœurs? Non, d'accord, super. Très sympathique. Très sympathique. Et donc c'est là qu'on va récupérer évidemment le fameux bouclier argenté là, en miroir qui nous permet de réfléchir la lumière. Putain, je vous jure. Horrible. Plus jamais je joue à ce jeu. J'en peux plus. C'est les temples. Enfin non, parce que le temple de Long, j'avais un bon souvenir du temple. Je savais qu'il était assez cool. Et voilà. Donc là, on peut revenir ici. Bon, alors, le problème qu'il y a avec ce bouclier à la con, c'est qu'on est obligé, du coup, de ne plus avoir, de plus équiper Bigoron. Parce que quand on a Bigoron, on ne peut pas utiliser le bouclier, en fait. Donc c'est assez chiant. Du coup, on est obligé de récupérer la Master Sword. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a moyen de faire des petits tricks en mode on change de bouclier, on va dans le menu, on reprend un Bigoron, etc. Ah, on va pas se laisser niquer par le jeu. Donc, je suis assez content parce que l'espèce de mob à la con, je lui ai bien pété sa race. Hop, on se met là. Voilà, et là c'est tellement facile, merci, bonsoir. C'est tellement con, putain, mais je vous jure, j'aurais dû y penser, quoi. C'est vrai que c'est tout bête à faire, quoi, mais non. Voilà, donc là on va avoir une clé qui va nous permettre d'aller... C'est logique! C'est ça qui m'énerve, c'est que Zelda c'est de la logique pure quoi. On va pas chercher à midi à 14h là, à faire n'importe quoi. De la logique pure. Et en plus ce qui est ouf c'est que l'épisode d'avant j'étais trop motivé hein, au début. J'étais vraiment motivé. Là non c'est bon quoi, j'en peux plus quoi. Donc bon. Allez, bon, je sais pas ce que c'est que cette salle, ça me fait un peu bader. Ah, c'est un truc avec... avec des murs à grimper. Oh, je suis désolé, alors c'est parti. Putain, attendez, est-ce qu'il y a des merdes déjà sur le mur? Ah, je peux grimper comme ça? Ah non. Je peux pas grimper là? Ah bah si. Ouais, mais si, ça va aller tout seul alors. Allez, grimpe! Nickel, voilà. Y'a rien de dur.
Voilà. Quand je joue bien, je suis content de moi, franchement. Hein. Je me dis que voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer à Zelda. Voilà, on va faire le chant. La berceuse de Zelda. Merci, bonsoir. Ça va ouvrir les portails, j'imagine. Les portillons. Et puis, on sera bon. Voilà, ça ouvre celui-là. L'autre, là-bas, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Allons-y. Ouais, donc là, par exemple, on peut prendre Bigoron. Hein. Clairement, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin du... Ah ouais, d'accord. Le mec, il vise, mais n'importe comment, quoi. Ok. C'est vraiment de la vie qu'il me faudrait, là. Pas des putains de... Ok. Donc... Alors j'imagine qu'il y a une seule porte. On va essayer de les kicker. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Allez, on va vite se manier le fion. On va prendre l'arc. L'arc de bagarre. Allez, boum. C'est bon? Non, c'est pas bon. Donc. Non. Putain, je crois qu'on va être bloqué encore. Putain, c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait pop ça? Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. C'est bon, il n'y a pas de problème. Allez, la clé du boss. Bon, maintenant, il ne manque plus qu'à aller chez le boss. Et je sais pas où c'est, donc comme ça. On est bien parti, c'est moi qui te le dis. Ok, donc j'ai la clé du boss. Attends, voir. Eh oui, j'ai pas été là-bas. C'est peut-être par là, le boss, alors. Sûrement, même. Ah bah voilà. Attends, voir. Oh putain, je me fais allumer. Voilà. Ok, donc ça, avec Bigoron, c'est easy. On s'en bat les couilles. Ok, et donc ça... Qu'est-ce qu'il y a à faire en bas, là? Donc, je sens que, à mon avis, il y a un truc à faire... Ah oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok, je vois ce qu'il faut faire, pas de problème. Donc toi... Toi, c'est réglé en deux coups. Attends, parce qu'il fait n'importe quoi, mais c'est un truc de ouf. La visée dans le jeu, c'est vraiment ridicule. Allez, c'est bon, j'ai niqué tout le monde. Donc, je crois que là, il y a un mur à péter. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on va faire venir la lumière dans l'autre salle dont on vient, là. Je crois que c'est ça. On va quand même aller checker ce qu'il y a là-bas. Voilà. C'est sûr qu'il y aurait un connard. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon. Le miroir, là, il est top. On a juste à le pousser comme as. Juste un coup. Deux coups, peut-être. Ouais, deux coups. Allez. Voilà. Toc. Et là, normalement, ça doit refléter de l'autre côté. Fais voir un peu. Ouais, non, pas du tout. On va te faire tourner juste en face, là. Voilà, nickel. Et donc là, on va pouvoir utiliser notre bouclier pour faire quelque chose, j'imagine. Donc on va reprendre l'épée de légende, qui est toute pourrie, mais bon, c'est pas grave. Et là, il va falloir faire quelque chose. Je
Putain, j'ai un bouclier en plus, hein. Je l'utilise pas comme un gogol, quoi. Comme un goliou. C'est bon. Voilà. Bon. Allez. Vise en face, Link. Voilà. Allez, on descend. J'en peux plus, faut que je fasse une pause. Je revienne dans 2 minutes. Ah non, c'est chiant, là. Là, je te dis... Y a pas un truc à faire avec ça, dans les yeux du serpent, non? Non, peut-être de l'autre côté. Ah, mais c'est des yeux, ça? Oh, putain, oui, d'accord. Ok, je voyais pas le visage du bordel, en fait. Parce que... Je devrais regarder sur la capture, ça rend mieux. Là, c'est une bouillie de pixels. Là, je vois même pas ce qu'il y a. C'est quoi? Une grille? Et donc... D'accord, il y a une grille. Je peux y aller, non? Ok, d'accord, je pouvais y aller. Ok, c'est bien de prévenir les Geki. On arrive au boss. Donc là, on a les deux sorcières. Ni, ni, ni. Tiens, 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 voici de la visite, Koumé. Nyan, 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 de la visite, en effet, Kotake. Kotake, elle est au taquet. Ah ouais. Et Koumé, Koumé, quoi. Koumé, en verlan, ça fait mes couilles. Alors, une bonne correction, oh oui, une bonne correction. Nyan, nyan, nyan. Esclave, entends-moi. Qu'on va encore se taper un... Mon verbe est tout est ton ordre. Tuer ce jeune sot. Tue ce jeune sot ou tuer ce jeune sot, j'ai pas vu. Ah, il a pas de hache. Ok. Donc je sais pas comment on le tue, lui, hein. Est-ce que c'est comme les autres avec les bombes? On va faire ça, on va voir. Mais putain! C'est pas possible d'être aussi con, hein, je te le dis. Ouais. Je me tue tout seul, c'est quand même incroyable. Hein. Y a que moi qui peux faire ça. Moi et ma connerie, quoi. Merde. T'es les plus résistants que les autres, hein, j'ai l'impression. Allez, dernière souris. Ça a l'air de le toucher, mais putain, pas assez, quoi. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh, bah, c'était une Geki. Ah bah, c'était la meuf. Le mec qui redécouvre le jeu, tu sais. Eh oui, c'était la meuf, je m'en rappelais plus, putain. Bon, tu vas me dire, c'est pas très grave de pas s'en rappeler, mais bon. Hein, quoi? Où suis-je? Tiens, tiens. Le charme est brisé, Koumé. Ce n'est qu'une jeune fille, mais grande, et son influence au sein des Gerudo, Kotake. Ils sont obligés, à la fin de leur phrase, de finir par le nom de la personne, de l'autre personne. C'est vraiment moisi, quoi. Utilisons le charme une fois encore. Nyan, nyan, nyan. Voilà. Donc vous aurez compris que le sage de l'esprit, ça va être la personne qui vient de disparaître, là. Ah, si vous avez pas compris, vous êtes un peu con, mais...
Ou alors vous en foutez, ce qui est... Non, ce qui est mieux, en fait, ce qui est mieux. Foutez-vous-en. Alors, je sais plus ce qu'il faut faire avec le boss, donc on va le faire avec le fion, hein, comme d'hab. Petite save au calme. Je crois qu'il y a un délire de reflet encore. Bon. Ah si si je m'en rappelle. Normalement il est assez easy. Normalement il est assez easy comme boss. Allez. Quel jeune insensé. Venir de son propre chef s'offrir au sacrifice au grand... en sacrifice au grand Ganon d'or. Oh. Pas commode. Le souffle de mes flammes consumera son âme. Le souffle de ma glace, non c'est quoi? La morsure de ma glace pétrifiera ses os. Voilà. Donc je crois qu'il faut absorber l'énergie d'une pour la balancer sur l'autre. C'est un truc comme ça. Vous allez voir, je pense... Je pense pas qu'on crève. On a la vie full et on a encore deux fées. Donc on est peinard. On est vraiment peinard là. C'est offert quoi. C'est offert par la maison. Salade, tomate, oignon, on est parti. Donc, par contre. Ah oui. Attends voir. On va voir. Alors j'ai pas mal compris ce qu'il fallait faire. D'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, faut viser l'une ou l'autre. Ok, faut viser l'autre là. Je sais pas comment on vise, je sais pas comment on vise. Enfin, j'essaye de changer de cible, mais ça veut pas, donc c'était pas ça. Elle est où l'autre? Putain, elle est où l'autre là? Ok, d'accord, super. C'est impossible. C'est débile en fait. Quand elles sont pas à côté, c'est impossible. Après, c'est l'une ou l'autre. Oh, ok, non mais c'est bon. J'ai compris le projet. Vas-y, c'est bon. Balance au chocolat. Allez. Mais putain, mais ça marche pas. Attends, elle dit quoi, Navi? Pff, ouais, mais enfin, on s'en fout, quoi. Ah mais c'est un truc de malade, elle se déplace genre super vite quoi. Putain mais je visais là, j'avais le bouclier activé, bande de connards. Putain mais ça marche pas quoi. Je sais pas comment j'ai réussi la première fois en fait. Mais non en plus c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Si 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 c'était ça, ah, c'était ça. Oh le con c'était ça. Oh, le boss à la con là. Non mais c'est... En fait le temple de l'esprit c'est vraiment de la daube hein. Putain j'ai plus de vie déjà. Bon 2 ans plus tard non. C'est quoi ton projet là? Voilà ok je crois que j'ai compris. Ok. En fait faut viser la première, se protéger. Et dès qu'elle vient l'autre, clac on appuie sur viser et ça va viser automatiquement sur l'autre. Ouais, par contre, l'autre, là, quand elle vient pas, du coup, ça ne marche pas. Effectivement. Allez!
Mais t'es sérieuse là, putain? J'ai visé ta sœur là. Ta sale sœur. Oh le... Quoi? Attends, what? Non, 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 non! Putain, mais normalement, elles font pas ça, là! Putain, mais non, c'est l'autre. Putain, mais vise l'autre! Mais elle est con ou quoi, Navi, là? Ah ouais, d'accord. Super sympa. Ah ouais, ok. C'est passé au travers, y a aucun problème. Aucun souci. Aucun problème. Vous savez bien coder des jeux chez Nintendo, c'est top! C'est du top niveau, là, ce que vous nous offrez, là. Ok, l'autre, elle est pas là, en fait. Ok, ah, mais tu viens maintenant, c'est bien. C'était sûr, c'était sûr. Ah, putain, quand même! Est-ce que je peux la kicker? Non, non, ça doit pas être ça. Voilà, c'est ça, ok. Et quand faudra en kicker une des deux, on chopera Bigoron et on ira les kicker. Ok, elle fusionne. Oh putain, ça je le sens mal. Je sais pas pourquoi je le sens méga mal. Ok. Ah, il faut le renvoyer, je pense, non? Un peu, faut faire du tennis, quoi. Merde, c'était pas ça. Bon, eh ben écoute, je sais pas. On a que deux faits, hein. Attention aux conneries, là. Ah, putain, et en plus... Ah, mais je reste dans le... Non, mais t'es sérieux, là? Ah ouais, super cool, quoi, merci. Apparemment je... Ok. Ok, j'ai rien compris. Mon bouclier clignote, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur l'épée pour attaquer ou faire un truc. Ok. Attends, mais je comprends pas alors. Réunis en accord parfait. Putain, je comprends que dalle! Ah, ça m'énerve de rien comprendre, là! C'est un truc de ouf! Ok, donc mon truc, il clignote, je sais pas ce que ça fait. Ok, donc maintenant, c'est de la glace, donc ça va pas être le fun. Pff, oh là 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 là, le boss de ouf, quoi. C'est un boss de psychopathe, hein, franchement. J'ai le souvenir qu'il pue la merde, mais alors... Bah, quand on le connaît, oui, comme tous les boss, hein, comme tout, en fait. Comme tout le jeu. Mais putain, arrête avec ta glace, là! Balance du feu! Putain, j'ai absorbé du feu, connasse! Donc je pense qu'il faut alors genre absorber trois fois, et ça va après lui renvoyer dans la gueule. Ok, d'accord. Ok, et la bigot, vas-y, c'est bon. J'ai le pattern. Allez, je la one-shot. Oh, le con. C'est bon. Ok, j'ai le pattern, on est bon. Donc, par contre, faut que j'arrête de la loquer. Elle est où? Faut que j'arrête de la loquer quand elle... Quand elle est en PLS, parce que du coup moi ça me fait pas de jumper et je suis dans la merde. Ok, pas la glace. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon là, on va la rentrer tranquille là. Putain, alors elle va me faire trois coups de glace là.
Après, on prendra de la glace parce que là... Ouais, elle fait 3 feux, 3 glaces. La prochaine fois... le dernier feu qu'elle va balancer, on va l'esquiver. Et comme ça, elle balancera de la glace, non? Ouais, c'est ça. 3 feux, 3 glaces. Ok. Bigoron. Hop. Déloc. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Je pensais qu'on aurait 3 tries, mais non. En fait, je suis peinard. Putain, ça y est, on a fini les temples, les mecs. On a tous les médaillons, là. On va pouvoir les niquer, Ganon. C'est bientôt la fin du let's play, j'en peux plus. Ah, quelle petite peste, cette fois c'est du sérieux, n'est-ce pas, Kotake? Hein? Mais nous sommes mortes? Eh, Kumi, tu as un truc au-dessus de la tête. Kume, j'ai dit Kumi. Kume, regarde, toi aussi, c'est quoi ce machin rond? Oh merde! Mais je n'ai que 400 ans! Et moi, je n'ai que 380 ans! Nous sommes jumelles, tu ne peux pas avoir 380 ans à te mentir! T'es devenu sénile! Quoi, c'est moi la sénile? Cause meilleure! Bon, c'est quand même des persos assez marrants. Je les trouve marrants. Voilà. Donc, on va vous fermer leur gueule, elle se barre, c'est pas plus mal parce que. Commence à avoir mal au crâne. Ah putain. Alors, where is the cœur? Il est là. The heart. Par contre, on n'a pas beaucoup de cœur pour Ganon. Bon, ça devrait pas poser problème. Ouais, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo, celle-là. Parce que là, on va commencer... on va commencer le château de Ganon, et puis on le finira dans la dernière vidéo, je pense. Ouais. Non, c'est cool. Bon, là, il va y avoir encore un blabla de 5 heures, évidemment. Hein, c'est le bon délire du jeu, ça. Et après, nous allons voir... Nous allons retrouver Zelda. Vous allez voir. C'est pas mal. Merci gamin, du fond du cœur. Regardez-moi ça, le gamin est devenu un grand guerrier. Au fait, excuse-moi de t'avoir attaqué. J'étais sous le contrôle des sorcières et sous les ordres de Ganondorf. Pouah. Toute cette histoire est incroyable, non? Moi, le sage de l'esprit. C'est à mourir de rire. Mais en tant que sage, mon devoir est désormais de combattre. Ma vengeance sera terrible, ya avec plein de A et plein de points d'exclamation. Parce qu'elle est pas contente. Gamin E. Non, Cid, héros du temple. Je te remets ce médaillon. Le petit bisou sera pour plus tard. Prends-en soin. T'inquiète que ça va me mettre soin, là. J'ai tous les jetons de Kali. Ah là, je peux ouvrir un supermarché, là, ça y est. Je peux aller au magasin et prendre 6 Kali à la fois. Pour charger les packs de bière. On est bon. Vous recevez le médaillon de l'esprit. Naboru se révèle être une des sages. Blablabla, on s'en fout. Ok, on avait compris. Geki, tu es devenu beau et fort. C'est pas qui dit ça. J'aurais dû tenir ma promesse. Est-ce que c'est Saria qui dit ça? Est-ce que c'est Zelda? Est-ce que c'est Navi? Cid le héros. Enfin, les 6 sages sont éveillés. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du malin. Ah non, c'était la voix du vieux. Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. Ouais, je fais bien les voix. Temple du temps, donc c'est
C'est ça, non? Oh la vache! J'ai fait n'importe quoi! Ok. Ah! Alors désolé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une petite coupe parce que je me suis mouché comme un sac. Donc, à bas, à droite, bas, à. Putain. Ah mais non, c'est pas ça que je veux faire. C'est le truc de la lumière, là. Ça fait deux fois que je fais la même connerie. Haut, droite, gauche, haut. Voilà, allez, c'est bon. Allez, là. Il me reste 26 minutes. Je commence à être claqué. 3 vidéos d'un coup, les gars, ça fait mal à la tronche, hein, je vous le dis. Hein. Ne faites jamais ça chez vous. Hein, je suis un professionnel, donc moi ça va, mais... je t'attendais, Sid. Moi, je t'attendais pas. Parce que je sais qui tu es, donc... voilà. Donc nous avons Sheik qui nous parle. Sid, héros du temps, tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les six sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire, écoute-moi bien. Voici notre légende sur la Triforce connue des Sheikha, le peuple de l'ombre. Alors, on va avoir une histoire de merde dont tout le monde se branle. Toi, quêteur des saints triangles, écoute bien. Je peux poser la manette au calme. Les triangles sacrés reposent dans un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'homme. Je fais le blabla parce que bon, sinon c'est chiant à lire. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, elle se changera en paradis. On dit paradis, ah merde. La Triforce, les triangles sacrés, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'homme du porteur des saints triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. D'accord? Allez, enchaîne. Mais si son âme est tourmentée, la Triforce se brisera en trois parties. La force, la sagesse et le courage. Je l'ai déjà dit. À celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce. Celle qui correspond le plus à ses ambitions. La force, non? Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. Ah non, ça dépend, c'est les convictions de la personne, d'accord. Tout à chacun, comme on dit. Ces deux pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront la marque de la Triforce au dos de leurs mains. Juste là! T'as compris? Pardon. Vous avez bien compris que Ganondorf, il en a un là. Donc il doit avoir la force, Link, il a le courage, et nous avons évidemment Zelda qui a la sagesse, voilà. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le temple de mon trou de balle, mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. Merde. La Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf possède la Triforce de la force. Grâce à sa Triforce, il put devenir le seigneur du malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Enfin, il n'y a pas de limite. Tu comprends, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Sid. Oh, c'est moi. Oh, merci, seigneur. Le détenteur de la Triforce de la Sagesse et le 7e sage dont le destin est de conduire les autres éveillés. Attention. Oh, Naruto,
Naruto Uzumaki. Attention, on va faire le multiclonage là. Ouais, je suis à fond dans Naruto, là, excusez-moi. Et voilà, Shake, c'était bien évidemment. Attendez, je vais refaire la phrase. Et voilà, Shake, c'était bien évidemment. Zeruda. Voilà. Donc il avait les yeux rouges, et les yeux bleus. Ok, on comprendra pas trop la vie, hein. Espèce de transe, le bordel. On ne comprend pas. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit d'assaut le château. Ah oui, en fait, c'est Cinematic Land, là. Donc je crois que on va se quitter après toutes les cinématiques. Comme ça, on reprendra tranquillement avec le château de Ganon. En 2 vidéos, je pense. Et on se torchera tout ça. Donc souvenez-vous, ce flashback qu'on a vu déjà 14 fois dans ce putain de jeu de merde. Parce que dès qu'il y a un moment d'émotion, on nous le balance, hein. Là. Donc de là, elle jette le truc dans la flotte derrière. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc évidemment, ça n'est pas notre seule chance, hein, puisque je suis très mauvais. Hein, donc moi, ça fait presque un an. Attendez. Putain, oui. Ça fait un an que j'ai commencé l'aventure Zelda. Hein. Ça fait un an. Donc en fait, ça fait un an que je dois sauver le royaume d'Hyrule, mais que j'en ai rien à... Mais je n'en ai rien à foutre. Donc quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint-Royaume. D'accord, super, on s'en fout. Ton esprit s'est endormi dans le Saint-Royaume. Et Ganondorf viola ce lieu sacré pour saisir le Saint-Royaume. Tout est Saint-Royaume. Ganondorf est devenu roi du Saint-Royaume du Malin. Et sous son règne de haine de Hyrule de Saint-Royaume s'est transformé en un terrain de Saint-Royaume. J'ai pris l'apparence d'un Sheka du Saint-Royaume en attendant l'éveil de ton esprit pendant 7 longues années. Hein ? Et t'aurais pas pu prendre l'apparence d'une meuf bonne parce que t'es dégueulasse, donc c'est compliqué. Allez, désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Ouais, bon, ça se trouve, ça va être dans 7 mois, hein, attention. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royaume. Putain, ta gueule, quoi. Oh là 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 là, que c'est chiant! Oh, mais c'est à crever, quoi. J'en ai marre, là. Allez, je vous jure, je vais arrêter après. Je suis fatigué, là. Je me fatigue, là. C'est peut-être moi, je me fatigue tout seul. Je me suis tellement énervé, je parle tellement, là. Voici une arme qui pourra... La sacrée de l'élu, la sainte flèche, quoi. Mais ta race, quoi. C'est qu'une flèche de merde qui fait du jaune, là. C'est une flèche à la pisse, voilà. Le bâton de pipi, on va l'appeler. Voilà, donc elle fait un Genki-Dama qu'elle va m'envoyer dans la gueule, j'imagine. Ah non, ça va. Oh putain. Voilà, la flèche de pipi. La flèche au pipi gelé. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein. Donc Ganondorf, on va lui pisser à la race. On va lui lancer du pipi gelé, pointu. C'est pas mal. C'est un tremblement de terre. Mais non, c'est Ganondorf qui te capture dans des règles gelées. Putain, c'est dégueulasse. Petite cachotière. Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde. Et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère. Sa seule force est la triforce du courage. Grâce à la triforce de la sagesse, celle de Zeruda, deux parties seront en ma possession. Et bientôt tu me remettras ton fragment. Je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens la chercher au château. Ouais, bon. Je le fais mieux quand même. Je suis moins digitalisé dégueulasse que la 64 cartouche. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que là je suis en train de fatiguer. C'est une partie un peu plus courte que les autres. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ce sera parce que là je vais arrêter de tourner.
dans des caves, parce que j'ai un peu mal au derrière. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao !